to declare something tonight. It's literally going to release a prophetic word over your life. You're going to declare it for yourself, and yet at the same time for the body of Christ. It's really simple. Can you hear the voice of the Father inviting you to walk on the water? Risk it all, answer the call, and enter in. Now we stand on every promise. We're not afraid. Our faith goes before us. When we believe, we're gonna see the supernatural. Come on, help us make this declaration right here. We're praying for.
Bien-aimés en Christ, que la joie et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Au nom de l'Église évangélique Bethel, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu à l'occasion de la bénédiction du mariage de notre sœur Aïda et notre frère Bertin. Le mariage a été célébré ce matin à la mairie du Mans et le couple est là cet après-midi pour recevoir la bénédiction de Dieu. Aïda est membre de cette assemblée depuis 2004, donc ça va faire 9 ans. Son cœur s'est ouvert il y a maintenant 7 ans pour le frère Bertin qui fréquente une église pas très loin d'ici. Ils ont fait le point et ont pris la sage décision de s'engager dans les liens sacrés du mariage. L'Église s'associe à ce moment important de bonheur et de grandes décisions dans la vie d'un homme et d'une femme. Avant d'apporter mon exhortation, je voudrais poser un fondement biblique. En Genèse 2:18, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit l'Éternel, je lui ferai, je lui donnerai une aide qui lui soit semblable pour son vis-à-vis. C'est Dieu qui fait le constat de la solitude de l'homme. Solitude dans tous les sens. Et c'est Dieu qui prend la décision de lui donner une aide. Amen. Le mariage est donc par conséquence le projet de Dieu. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, Dieu est concerné par le mariage. Parce qu'il en est l'auteur. Il en est l'initiateur. C'est Dieu qui a décidé que l'homme ne devait pas être seul, seul pour accomplir les projets que Dieu s'était fixés pour lui dans le jardin d'Éden. Ce verset nous donne trois indications importantes. Je voulais introduire au travers de ça. C'est vrai qu'on a parlé avec Bertin et Aïda. On a pu parler de ce qu'est le mariage. C'est, je pense, l'aboutissement de la vie d'un homme et d'une femme. La première chose, c'est que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Le mariage est dans le plan de Dieu et dans l'esprit de Dieu monogamique. C'est vrai que dans la Bible, nous trouvons des exemples de polygamie. Mais la Bible nous parle de bons exemples et de mauvais exemples. Le mariage est monogamique. Un homme, une femme. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est que le Seigneur dit, je lui ferai une aide qui lui soit semblable ou son vis-à-vis. Mais avant que Dieu ne prenne cette décision de prendre la femme de la côte de l'homme, parce que c'est ce qui s'est passé, Dieu avait déjà amené à l'homme des animaux. Et la Bible nous dit que l'homme va leur donner des noms, mais il ne trouvera pas là une aide qui lui soit semblable. Il est important de noter que le vis-à-vis nous parle de la communication. Amen. Amen. L'homme ne pouvait pas communiquer avec les animaux. Les animaux, certes, pouvaient lui apporter de l'aide dans le travail, dans l'accomplissement de ses tâches, mais lorsqu'il rentrait chez lui, il était seul. Il n'avait personne avec qui partager les projets et les plans de Dieu. Je pense qu'il est important d'avoir un soubassement, une fondation. Parce que le mariage, c'est quelque chose d'important. Je dis souvent, le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage est pour des hommes et des femmes accomplis, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui comprennent le projet de Dieu et ce que Dieu veut au travers d'eux. Le thème de mon exhortation, si je dois donner un thème, je dirais comment conserver notre alliance. L'alliance, c'est l'union entre des personnes.
Je dis entre les personnes parce qu'on peut accomplir une alliance à 2, 3, 4, 5, 6 personnes. L'alliance est tout simplement l'union des personnes pour un intérêt commun. En espèce, de cet après-midi, le projet commun d'Aïda et de Bertin, c'est de fonder une famille. La Bible déclare que toutes les familles de la terre sont bénies en l'Éternel. Et c'est le projet de Dieu. La première bénédiction que Dieu va donner à l'homme et à la femme au jardin d'Éden, c'est la bénédiction de la multiplication. Il dira, Dieu les bénit, soyez féconds. Amen. Fondez une famille. Bertin et Aïda ont contracté ce matin une alliance devant le maire. Une alliance où l'un et l'autre se sont engagés à vivre ensemble et fonder une famille. Et cet après-midi, ils sont là parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont donc venus devant l'église de Jésus pour sceller leur engagement devant le peuple de Dieu. Pour dire, nous ne nous engageons pas seuls. Ce n'est pas une alliance entre nous deux. Mais nous allons inclure une troisième personne dans cette alliance. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. C'est une sainte décision. Amen. C'est une sainte décision. Jésus donnait une parabole dans la parole de Dieu, dans les évangiles, il parle de l'homme qui a bâti sa maison sur le sable et celui qui a bâti sa maison sur le roc. La Bible dit que les deux maisons ont été visitées par la tempête. Celui qui avait bâti sur le sable, sa maison s'est écroulée. C'est l'exemple d'un couple sans Jésus. Amen. C'est l'alliance de deux parties, mais où Dieu n'est pas concerné. Et puis il y a ceux qui étaient sages, qui ont décidé de bâtir leur union sur le rocher, sur le roc. Eux aussi ont été visités par la tempête. Mais la différence, c'est que leur maison a résisté. Faites de votre maison la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas répéter après moi. En regardant ta femme, tenez-vous par les mains. Voilà, tu regardes ton épouse dans les yeux. Aïda. Aïda. Devant l'église de Jésus-Christ. Devant l'église de Jésus-Christ. Je te reçois comme mon unique épouse. Je te reçois comme mon unique épouse. Tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. Est aussi à toi. Est aussi à toi. Je m'engage à t'aimer. Je m'engage à t'aimer. Comme Christ aime son Église. Comme Christ aime son Église. Je m'engage à prendre soin de toi. Je m'engage à prendre soin de toi. Et des enfants que Dieu nous donnera. Des enfants que Dieu nous donnera. Je m'engage à placer l'Éternel notre Dieu. Je m'engage à placer l'Éternel notre Dieu. Au centre de notre famille. Au centre de notre famille. Et je m'engage à faire tout mon possible. Je m'engage à faire tout mon possible. Pour honorer l'Éternel. Pour honorer l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Église prend acte de tes enfants. À me soumettre à l'autorité que Dieu te donne dans notre famille. Je m'engage aussi à te soutenir. Et à te respecter. Je m'engage à élever nos enfants dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. L'Église prend acte de tes engagements. Ta même alliance sur le doigt de ta fille et de ta femme. Tu vas
prononcer ces paroles à l'âge de donner cette alliance, gage de ma fidélité. Aïda. Aïda, je te donne cette alliance. Je te donne cette alliance. Gage de ma fidélité envers toi. Envers toi. Voilà. Et Aïda, tu vas prendre l'alliance au doigt de ton époux et sceller ton alliance en lui disant: Bertin, je te donne cette alliance, gage de ma fidélité envers toi. Amen. Le pasteur Fernando et son époux, merci d'être avec nous. Nous allons prier pour les couples et pour rendre la paix et la bénédiction sans place. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas l'autorité de séparer ce couple ce soir que toi tu veux unir, Seigneur. Voilà pourquoi je veux simplement le recommander entre dans ma sainte mère. Je veux que la grâce de Jésus être déversé dans l'air du Seigneur, que tout ce que Christ appelle la bénédiction soit leur partage au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre, mon frère Bertin, ma sœur Aïda, et que Dieu vous comble de toutes les richesses, et que Dieu vous bénisse, que vous ayez des enfants, et que vous prospérez à tous égards, comme la Bible le déclare. Je vous bénis ce soir au nom de Jésus. Seigneur, bénis vraiment la sortie de sa bénédiction. Bénédiction, mon Dieu, moi, et la partage à couple proche. Voilà pourquoi on dit merci, Panayo. Sois béni, soit tête sauvée à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Les pères, nous sommes là en ta présence. Nous sommes là dans ta maison ce soir pour te recommander le couple de notre sœur Aïda et de notre frère Bertin entre tes saintes mains. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout nom, car c'est le seul nom qui nous a été donné, au travers duquel nous pouvons nous approcher du Père. Et c'est à travers le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te présentons ce couple, afin que tu puisses le bénir, afin que tu puisses étendre ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Puisque c'est toi qui as institué le mariage, c'est toi qui es honoré en ce jour. Nous élevons ton nom, Jésus, dans ce foyer, dans ce couple, dans cette famille. Nous élevons ton nom, Éternel, afin que tu bénisses au-delà de toute mesure, au-delà de ce que nous pouvons te demander dans nos prières. Au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, réponds ta grâce, Seigneur mon Dieu. Ta parole déclare, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles sera béni. Que ce soit le partage de ce couple, Seigneur, que nous bénissons en ces lieux. Réponds, Seigneur, ta bénédiction. Et que rien, Seigneur, ne vienne troubler leur paix. Manifeste-toi, nuit et jour. Veille, Seigneur, sur cette famille. Tu veilles sur les murailles de Jérusalem. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu as déjà préparé d'avance pour eux. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Merci.
Depuis la nuit du temps, Seigneur, partout l'homme et la femme célèbrent pour le honneur de l'institution, Seigneur, tu te libères, Dieu, du trône de ta grâce, afin de pouvoir donner gloire à ton nom. En réalité, Seigneur, le mariage, c'est toi l'instituteur et l'institution suprême. Et ce soit la personne exclusive qui se sent honorée à travers cette action, c'est toi, Jésus. Quand bien même, oh Dieu, au nom de tes talents, ton nom n'était pas encore arrivé. Et lorsque tu as reconnu, oh grand Dieu, que tu t'es senti honoré par ton institution, oh papa, cela t'a poussé à bousculer les choses et pour l'éternité. Seigneur, c'est avec action de grâce et par le nom de Jésus que je vais s'attacher. Merci pour l'autorité que tu me donnes dans le monde invisible, Seigneur Dieu. J'ouvre le ciel et je rassemble, Seigneur, toutes les prières qui ont été adressées sur ce groupe. Ainsi, le ciel ne peut donner que ce qu'il a reçu de la terre. Père, dans le nom puissant de Jésus, que le ciel s'ouvre de toutes les bénédictions qui étaient retenues, qui était bloqué, se déverse maintenant sur leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, René, le bambou, il s'agaille. Maman, je fais ma guinée. Dis-moi, si n'a rien à dire. Le cola, aïe, 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 Mama Mundwe, Yalelo Ekonia, Meako Papa la Mama, Mama Linda, Mama Pesingai, Naluka Kilibala Kronasie, Yalelo Ekonia, Eyakula Sanzela, Mama Pesingai,
ezali ya kino suka te makwela na biso chuchue ekosila te kinonona talatina amabe kolula mokili te kitoko ya basi na se ekosilaka te yeleo La Bible dit le mariage est une recommandation éternelle. L'étape qui se bat tout. Nous avons trois étapes de la vie. Ma vie.
de ma vie. Le mariage est une institution divine en toi, mon chéri. A jamais je serai fidèle et cela durant toute ma vie. Dans toute ma vie. Mama Moulou, hey, si j'allais le connaître, alors pas moi. Yeah,
Des grâces ce soir et tout mon Dieu, mon reste passera en ce lieu glorifié dans ses noms. Père, laisse que la gloire, l'honneur, la magnificence soit pour toi et que la grâce, le bonheur et la joie soient pour ces couples et pour chacun de nous. Et cela dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Amen. Après, lorsque tout le monde sera servi à manger, on évitera le couple à ouvrir le bras, les pas, et dans la foulée, on remettra les cadeaux. Et on poursuivra la soirée avec la réduction des gâteaux, la remise des cadeaux. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, on reviendra vers vous pour vous annoncer. Ah, biso doele bomoi. Nala kondima kozwa singa ya kufa na kingo na ye. Lokola ntaba ya mwana na pate. Bikela muya likolo pe na seto wela kabo mo. Si Yesu apona kiko kufela senga na yo Azala kinde meka epainanza metata Nako kikisa mana ye ya mwana nampate Nakete semana longwe tena mokano na papa Pesi bomoi Thank you.
Mama, 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 mama
Thank you.
I'm not afraid.